Hello, aujourd'hui le thème c'est chacun sa vérité. Eh oui, en parlant avec des gens suite à mes vidéos, je me suis rendu compte qu'en fait chacun sa vérité. Oui, parce que au final, entre ce que nous on dit, ce que nous, on voit, et ce que les autres pensent, il y a deux vérités. Il y a ceux qui trouvent que ce que l'on vit actuellement n'est pas normal, et qui donc vont chercher parce qu'ils disent que voilà, c'est pas normal. Et il y a ceux qui s'en réfèrent aux lois actuelles et à ce qu'on leur dit au quotidien. Et voilà. Je me suis rendu compte, en fait, que si le système actuel ne les dérangeait pas, c'est parce qu'ils me disent que, mais ça fait des milliers d'années que c'est comme ça, ça fait des siècles que c'est comme ça. Déjà, du temps des rois, c'était comme ça. Ah, du temps des rois. Il y a juste une petite différence, quand même. Du temps des rois, c'était des lignées de rois, et donc, ça allait de père en fils. Ah, il n'y avait pas moyen de voter, hein, c'était comme ça et c'était pas autrement. Voilà. De nos jours, nous avons le vote. Donc, nous avons le droit de voter pour ceux qui votent. Nous avons le droit de voter pour la personne que nous voulons voir nous diriger. Hein. Et de par ce fait, on me dit les personnes qui ne vont pas voter que les mauvais passent. Ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que c'est pas parce qu'on va voter qu'on aura la personne que l'on veut à la tête de l'État. On peut voter autant qu'on veut, pour qui on veut. Le fait est que si les hobbies de là-haut, de la finance, ont décidé de mettre quelqu'un d'autre au pouvoir, qui que ce soit et pour qui on vote, ça ne sera pas nous qui aurons le dernier mot. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui ne vont plus voter, parce qu'ils comprennent que de toute façon, leur vote ne servira à rien du tout. Cacher un peu du soleil, parce que autant on a eu de la pluie, autant quand le soleil tape, c'est un petit peu compliqué. Et il tape fort. C'est pour ça que je disais, on est dans un... Bientôt, on va avoir un pays qui est tropical, parce que autant les pluies sont fortes, autant le soleil tape fort. Donc j'essaye de trouver la position qui sera à peu près bien, voilà. Donc je disais que, quel que soit notre choix pour le vote, pour ceux qui vont voter, ils n'auront jamais la personne qu'ils veulent au pouvoir. Tout ça parce que de toute façon, les gens au-dessus ont décidé qui ils voulaient comme pantin pour être à leur disposition et pour faire passer leurs lois. Si vous regardez bien, que ce soit, quel que soit le président qu'on a eu jusqu'à maintenant, ils ont tous eu plus ou moins affaire avec la franc-maçonnerie. Hein. Je vous mets les liens en bas comme d'habitude. Ils ont tous eu affaire, et encore, je n'ai pas mis beaucoup, tous affaire avec la franc-maçonnerie. Cherchez ce que c'est la franc-maçonnerie. Et les loges de France, c'est bien aussi, ça peut aider. Hein. Donc le président n'est qu'un pantin. On m'a dit, oui, mais alors, si la situation ne te plaît pas, tu peux apporter quand même des réponses. Je dis, mais je les apporte les réponses, mais elles ne conviennent pas, ça convient à personne. Alors on m'a dit, oui, mais alors tu critiques le système, mais à côté de ça... T'es bien quand même contente d'avoir l'électricité, d'avoir... J'ai dit, mais l'électricité, on peut l'avoir sans être obligé de payer les sommes qu'on paye. C'est hallucinant. Je veux dire, tout appartient à l'État. Je dis, on achète une maison, mais la maison ne nous appartient pas, elle appartient à l'État. Alors on m'a dit, ouais, mais alors, t'es pas d'accord contre les impôts? Les impôts locaux, ben, je dis non, je suis pas d'accord avec les impôts locaux, pas plus que les impôts fonciers, pas plus que les taxes, pas plus que les impôts, tous les impôts, je suis contre.
Ah oui, mais alors, tu comprends, t'es contente quand même quand t'as les éboueurs qui passent pour les poubelles. T'es contente quand même quand les routes, elles sont arrangées, nettoyées, etc. Comment ils faisaient avant, les anciens? Il n'y avait pas d'éboueurs. Ils se débrouillaient, hein? Il n'y avait pas d'éboueurs. Il n'y avait personne qui passait. Et pourtant, eh ben, ils s'en sortaient. Alors on m'a dit, mais tu veux te retrouver au Moyen-Âge? Je dis, non, je ne veux pas me retrouver au Moyen-Âge. Et pour pas mentir, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'inventions qui sont là et qui se passent et qui sont en notre faveur. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'on les détourne contre nous. Et c'est là que ça me dérange. J'y sais là que ça me dérange. Je dis, quand tu vois que dans les hôpitaux, maintenant, tu es opéré par des robots et que tu as de moins en moins de chirurgiens sur place et qu'ils sont tous à pétaouchnock et que toi, tu es là sur ta table d'opération opéré par un robot, alors on va dire oui, mais c'est pour la précision. Parce que tu comprends, les chirurgiens, des fois, ils sont tellement fatigués qu'ils n'ont plus la même précision qu'un robot. Aïe, 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 la belle affaire. La belle affaire. Comment est-ce qu'on nous cache le fait que l'intelligence artificielle est partout? Elle est partout, hein? Même si on ne veut pas le savoir, elle est partout. Moi, rien que le fait que je vous parle avec mon smartphone, déjà, elle est là, l'intelligence artificielle. Donc, elle est partout, l'intelligence artificielle. Donc, elle rentre dans les hôpitaux aussi. Alors, non, je ne dis pas que tout est mauvais parce qu'on est en train de faire des choses très bien. L'hypnose au moment qu'on va se faire opérer, c'est très bien, ça évite à ce qu'il y ait une anesthésie générale plus profonde. Et contre ça, je n'ai rien. C'est très bien, c'est très bien. Maintenant, quand on me dit, oui, le système, il est comme il est, mais on ne peut rien y faire. Alors oui, chacun sa vérité. Moi, j'estime qu'on peut y faire quelque chose. Mon entourage estime qu'il n'y a rien à faire. On me dit, oui, mais de toute façon, s'il n'y avait pas de président, ça serait l'anarchie. Attends. C'est déjà pas un peu l'anarchie là? C'est déjà pas un peu l'anarchie là? Je sais pas. On n'a peut-être pas la même vision des choses, hein? Mais je trouve que c'est déjà quand même pas mal. Parce que déjà le fait que le président ne soit pas là, qui est censé être là pour le peuple, ne soit pas présent pour le peuple, je trouve que c'est déjà un gros problème, hein? Que les gens soient obligés de descendre dans la rue pour avoir droit à ce que normalement ça leur revient, hein? Je trouve déjà qu'il y a un problème. Alors on nous parle du 5, le 5 décembre. Ah, ça me plaît, le 5 décembre. Le 5 décembre, gros blocage, gros bazar dans toute la France. Moi, je ne pense pas que ce soit la solution. Je ne pense pas que ce soit la solution. Et on nous dit que c'est pour les retraites, pour la réforme, contre la réforme pour les retraites. Eh oui, sauf qui a mis en place ce rassemblement du 5 décembre? Je voudrais que vous cherchiez un peu et que vous me disiez qui a mis en place ce rassemblement du 5 décembre. Je voudrais que vous me disiez à quoi va servir ce gros foutoir du 5 décembre. Pour moi, et ce n'est que mon avis personnel, c'est juste un coup d'épée dans l'eau supplémentaire. Parce que ça, il y a quelqu'un qui a décidé que le 5 décembre, d'ailleurs, la preuve en est, ça va sur les réseaux sociaux, les journaux en parlent. Tout le monde en parle, tout le monde est déjà en train de se préparer à pouvoir avoir une deuxième solution pour le 5 décembre, ce qui fait qu'il y a une partie des gens qui vont aller défiler et une autre partie qui vont continuer à aller bosser ou qui vont continuer leur vie normalement. Donc, moi je me dis que le 5 décembre, c'est juste un paravent pour dire, vous voyez, nous vous écoutons, vous voulez défiler, vous allez défiler. Vous voulez bloquer, vous allez bloquer. Mais est-ce qu'au final, ça va changer quelque chose à la politique? Je ne pense pas. Je ne pense pas.
Parce que Macron, il a bien dit que quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, je ne changerai rien à la politique que j'ai décidée. Donc, je ne pense pas que le 5 décembre apporte quoi que ce soit de positif à la France et au problème de la France actuellement. Je ne pense pas. Et ceux qui y croient, bah tant mieux. C'est leur droit tout à fait légitime. Mais pour moi, ce n'est pas la solution. Ceux qui y croient, c'est ceux qui vont voter. Ceux qui se disent on a voté pour une France qui était meilleure que celle-là. Ceux qui disent qu'on a été berné et qu'on n'est plus d'accord avec tout ça. Bah ouais, vous avez été berné. Et vous avez voté ou pas pour la personne qui est au pouvoir. Mais de toute façon, même si vous n'avez pas voté pour elle, hein, et bah, elle aurait été quand même là. Puisqu'on l'a poussée à être là. Et que on n'a qu'à voir au jour le jour, je ne sais pas. Quand j'en parle, je dis, mais ça dérange personne, vous êtes pressés comme des citrons, on vous prend des taxes de partout, quoi que vous achetiez, il y a des taxes de partout, et tout ça, ça va à l'État, et on nous redemande encore de payer une dette fictive. Alors, quand je parle des présidents depuis Pompidou, parce que, bon, voilà, Pompidou, ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup marqué. Donc, quand je parle des présidents depuis Pompidou, je leur dis, ils font tous partie d'un cercle, des francs-maçons. Sauf, il les côtoie, il n'y a pas tortillé, ils les côtoient, ils le disent eux-mêmes. D'ailleurs, je vais peut-être, si j'y pense, je vais peut-être vous mettre en lien aussi les vidéos où les présidents disent qu'ils sont obligés de passer par la franc-maçonnerie s'ils veulent aller avoir l'espoir de caresser le fait d'être président. Je vais vous le passer. Parce que ça aussi, c'est pareil. Qui le sait? Qui le sait? Les gens, ils regardent sur Internet. Ils font des recherches. Ils regardent sur Internet. Qu'est-ce qu'ils leur proposent, Internet? C'est quoi? Internet, c'est Google. Et Google, c'est quoi? Ben, Google, c'est tout ce qui est pour l'État. Donc, on va vous donner tous les points de vue qui vont bien, tous les journaux qui ont été rachetés plus ou moins par soit l'État, soit des amis politiques ou n'importe. Donc, Le Monde, L'Express et tout est quanti, hein, Le Figaro, etc. Et des fois, je sais pas, soit ils se loupent, soit je sais pas, des fois ils vous sortent quelques vérités. Ouais. Mais la plupart du temps, ils vous diront exactement, ils tourneront ce que va dire le président à notre avantage. Parce que c'est leur but. C'est leur but. Et donc, les gens, ils ne vont s'arrêter qu'à ça. Ils ne vont pas aller chercher plus loin. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, si vous allez chercher plus loin, vous verrez qu'on vous raconte que des mensonges. Mais ça, ça ne veut pas rentrer. Ça ne rentre pas. Ça fait, comme on dit, ça fait des siècles que ça dure. Pourquoi est-ce que ça changerait maintenant? Je dis, parce que peut-être qu'il est temps de changer. Et on m'a dit, oui, mais après moi le déluge. Mais non, pas après toi le déluge. T'as tes enfants, tu as tes petits-enfants. C'est du pur égoïsme de dire ça. Je sais pas. Mais bats-toi pour ta famille. Ouais, ben les enfants, ils se battront pour eux-mêmes. Mais je dis, mais non! On leur laisse un monde de merde. Il faudrait peut-être faire quelque chose pour rétablir cette action. Non, tu... Non, non, ça... ça... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on essaye de ne pas payer ce à quoi on a le droit. Je veux dire, l'eau, on a le droit. C'est gratuit, l'eau, normalement. Hein? Et maintenant, non seulement on la paye, mais en plus, elle est blindée de microbes, de cochonneries, etc. Hein? On te fait croire qu'elle passe par une station d'épuration, mais ça n'enlève pas tout. Ça n'enlève pas tout. Tu bois de l'eau qui va te rendre malade. Ça, c'est normal. Alors qu'au départ, on devrait avoir de l'eau fraîche coulée, des rivières, etc. Mais là, on paye l'eau, c'est normal. Voilà. Ça, c'est... Je ne sais pas. Je comprends pas. Je comprends pas les gens qui sont d'accord pour payer. Ben non, je comprends pas. On me dit tout ce qui est en place est utile. Enfin, la plupart des choses. Moi, je vois pas l'utilité des taxes. Alors on m'a dit oui, mais alors à ce moment-là, admettons que
tu ailles dans un village autonome, etc. Il faudra bien que quelqu'un décide pour les autres parce que ça sera l'anarchie dans pas longtemps. Je dis non, ça sera pas l'anarchie. Je dis mais la monnaie, l'argent, si c'est juste une façon d'échanger, c'est bien. Je dis ah, voilà, tu as de l'argent, tu vas acheter ton poulet chez le fermier, tu vas acheter tes légumes chez le primeur. Je dis voilà, c'est très bien. Je dis ce qui n'est pas bien, c'est que l'argent monte là-haut, au niveau du système, hein, et que nous, on nous serre la ceinture. Au final, à quoi ça sert d'aller travailler puisque on n'a rien? On n'a pas grand-chose, on n'a rien. Ceux qui ont la chance d'avoir une maison, bah c'est bien, elle t'appartient pas. Tu payes pour quelque chose qui t'appartient pas. Mais c'est quand même, je sais pas, je trouve que c'est logique. Si on n'avait pas ce système, la maison, on l'aurait. Je veux dire, on n'est pas bête, on sait construire, les hommes et les femmes d'ailleurs maintenant, et savent monter quatre murs, ils savent monter une maison, c'est pas. Je sais pas. C'est quoi le problème? Je comprends pas les gens qui se disent oui, mais là, on peut rien faire. Mais bien sûr que oui, on peut faire. T'achètes un terrain, tu te construis ta maison, tu la mets comme tu veux, avec des panneaux solaires, avec tout ce que tu veux. Alors on me dit, ouais, mais les panneaux solaires, ils sont pas encore complètement développés. Mais bien sûr que oui, ils sont développés, les panneaux solaires. Il y en a qui s'en servent. Mais allez chercher. Le problème, c'est ça. Voilà. Alors, on s'arrête sur un ou deux sites qu'on vous dit, ouais, c'est encore pas tout à fait en place. Ça fonctionne pas toujours très bien. Et patati patata. Moi, je suis désolée. Mais tous les témoignages que j'ai vus des gens qui avaient des panneaux solaires sont très contents avec les panneaux solaires. Hein? Et non, ils sont contents avec les panneaux solaires. Mais en plus, ils payent moins d'électricité. Jusqu'à en payer presque rien. Et à partir du moment où tu payes plus d'électricité, tu n'as plus de contrat avec l'électricité. Et à partir de là, eh ben, c'est de l'argent que tu as en plus. C'est pas compliqué. Hein? L'argent que tu investis dans les panneaux solaires et dans la batterie pour ton panneau solaire, au bout de quelques années, elle t'est remboursée. Et en plus, après, tu payes plus. Donc ça te fait des économies. Enfin, j'ai le panneau solaire, voilà, on peut dire pareil pour l'eau de pluie, hein. Pareil, l'eau du robinet, pareil. Il suffit d'avoir un bon conteneur et de filtrer l'eau. Pour le jardin, on prend l'eau telle quelle, et puis pour la boire, etc., on la filtre. Il y a des filtres exprès. Eh ouais, mais il faut chercher. Et puis on n'a pas le temps, non. On est trop fatigué le soir quand on rentre, et puis on a autre chose en tête, on veut se changer les idées, on veut. Voilà, alors on continue de payer. Puis après, on nous dit, ouais, le système il est ci, le système il est ça, mais oui, mais tu restes dedans, tu veux pas sortir, qu'est-ce que tu veux que je te dise, te plains pas, te plains pas, reste dans ton système, mais te plains pas. Voilà. Le système, il est là pour te verrouiller, pour te verrouiller, pour t'enlever toute la possibilité, tout ton argent, tout. Ah, oh, bien sûr, tu vas travailler, donc on te donne une fiche de paye. Ben oui, on te donne une fiche de paye. Et puis, en général, on te verse sur ton compte le montant de ta fiche de paye. Ben ouais. Bon, en dehors du fait que l'argent, il est de plus en plus virtuel, hein, cet argent déjà dessus, t'as les impôts, hein, parce qu'au cas où tu serais un rebelle qui voudrait pas payer d'impôts, bah pour le coup, tu peux pas y échapper. T'es obligé de les payer, hein, les impôts. En plus de ça, y a tout le reste, il y a toutes les taxes et tout. Donc non, moi je suis pas pour, je suis pas pour. Encore me dire, oui, t'apportes pas de réponse. Si vous n'êtes pas content avec ce système, hein. Si vous trouvez qu'il y a des aberrances, eh ben, cherchez des réponses. Elles sont là, elles sont toutes prêtes, hein, elles vous attendent, hein, sur Internet. Cherchez des réponses, parce qu'il y en a. Il y en a. Mais le problème, c'est que les gens, non, non, non. Ça fait trop longtemps. Donc, encore une fois, il y a ceux qui disent,
Non, je veux pas vivre comme ça. J'estime qu'on n'a pas le droit. Je veux pas laisser un monde comme ça pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour ma descendance. Je veux pas. Et puis il y a ceux qui disent, bah ma foi, ça fait des siècles que ça dure. Pourquoi on changerait quelque chose? Je vous le demande. Pourquoi on changerait quelque chose? Chacun sa vérité, hein? Et chacun a le droit de penser comme il veut. Voilà. Moi, je vous ai dit mon opinion. Après, vous n'êtes pas obligé de la suivre, hein, c'est juste mon opinion. Mon opinion de anarchiste. Ouais. Mon opinion de. Comment on m'a dit? Ah ouais, que j'étais dans les extrêmes. J'étais dans les extrêmes. Bientôt, je vais faire peur aux gens parce que je leur dis la vérité. C'est vrai. Les gens, ils vont avoir peur de m'approcher bientôt. Parce que je dis ce que je pense, je dis la vérité après avoir été cherchée. Parce que je vais toujours chercher. Donc après avoir été cherchée, je dis ce qui me semble vrai. Je dis ce qui me dérange. Dieu seul sait qu'il y a des choses qui me dérangent. Mais ouais, non, je ne suis pas quelqu'un de fréquentable. Je deviens persona non grata. Voilà. Ou alors il faut pas que j'aborde des sujets. Ben non, faut pas. Parce que ça finit en querelle et en disputes qui n'ont pas lieu d'être, hein, parce qu'en fait, c'est juste un change, comment dirais-je, un échange, hein, un échange d'idées, un partage d'idées. Ouais. Mais certains partages sont pas bons. Hein. Non, 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 faut pas partager certaines choses. Parce que là, vous êtes catalogué. Ah, ouais. Vous êtes pire que Le Pen, vous êtes à l'autre bout. Ben voilà. Ben et tant pis, hein. Moi aussi je suis à l'autre bout, ben, je suis à l'autre bout. Moi je sais que je suis là, je connais mes réponses, je connais mes solutions, je sais ce que j'ai à faire, je sais ce que je devrais faire. Je peux pas, mais ce que je devrais faire. Maintenant, comme je dis, chacun sa vérité et chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Restez dans le système. Restez dans le système, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si ça vous plaît de payer, si ça vous plaît d'être pressé comme un citron, restez dans le système. Mais au moins, faites quelque chose pour vos enfants. Les laissez pas, eux, dans le merdier dans lequel on est. Faites quelque chose pour vos enfants. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour eux. Voilà. Eh bien, c'était la petite vidéo de ce matin. Ah, j'ai du soleil, c'est bien, ça change. Je pense que d'ici demain, il y aura de la pluie, mais bon, c'est pas grave. Hein. De toute façon, on prend les choses comme elles viennent, hein, après tout. Voilà. Donc, en attendant une nouvelle vidéo, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et à bientôt. Bye. Mmh.